Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, grand unboxing de mes cadeaux d'anniversaire de moi à moi. Ça paraît vraiment, vraiment bizarre dit comme ça, mais disons qu'il y a 3 ans, j'ai décidé que chaque année pour mon anniversaire, en fait, j'allais m'offrir une pièce de créateur. Je suis fan des paires de chez Amina Muaddi. Vous n'avez même pas idée à quel point je suis fan de ces chaussures, mais j'avais des avis. En fait, disons que quand j'ai fait mes recherches, il y avait pas mal d'avis mitigés sur la qualité des chaussures et je savais pas vraiment quoi faire et tout. Et puis, je me suis rendu compte que c'était des paires qui étaient soldées de temps en temps et tout ça. Pas de ouf, mais voilà. Et il y avait une paire de mules de chez Amina Muaddi que je voulais absolument, mais je n'arrivais pas à me décider sur la couleur, sur le. En fait, c'est ça, sur la couleur en question. Et au final, les gars, comme quoi, la patience paye toujours. Au final, je les ai trouvées sur Farfetch, les gars, à un prix tellement tellement intéressant. Genre en fait, c'est pourquoi en fait aujourd'hui je vais vous présenter deux chaussures au lieu d'une seule chaussure que voilà de base, parce que au départ je me suis dit bon voilà, il y avait déjà un grand budget, donc au final, vu que celle-ci était soldée, bah en fait j'en ai commandé une autre soldé aussi, mais genre de dingue, de dingue, de dingue, les gars. Donc la boîte, elle arrive comme ceci. Donc vous voyez, voilà, Amina Muaddi, je sais pas si vous voyez. Donc elle arrive comme ça, blanche et tout. Et j'ai déjà ouvert, hein, j'ai déjà ouvert la boîte parce que je ne pouvais absolument pas attendre, j'étais trop impatiente. Donc en fait, elle arrive comme ceci, bien emballée. Là, on a, bah, c'est quoi, une housse. Par contre, c'est ça d'ailleurs. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Mais il n'y a qu'une housse en fait, alors qu'il y a deux chaussures. J'ai pas compris. Mais bon, anyway, j'aime trop d'ailleurs la housse. Elle est trop mignonne. Elle est en satin rose et tout. Vous savez qu'en ce moment, je suis à fond sur le rose. Donc, la paire de chaussures se présente comme ceci. Les gars, je suis tellement, tellement excitée parce que. Les gars, voilà la bête. Je suis tellement, tellement contente de cette paire. Je voulais cette paire de mules depuis qu'elle est sortie, je crois, l'année dernière. Pas la couleur ou même là, parce que vous voyez, celle-ci, elle a des cristaux, voilà. Mais vraiment le modèle et tout. Vous savez que je suis fan des mules en général. Donc, je sais vraiment pas. Je les ai portés vraiment pour traîner chez moi, mais je ne savais pas en fait quelle couleur choisir. J'hésitais entre noir, enfin une paire noire ou blanche et tout. Et après, j'ai vu celle-ci soldée sur Farfetch, mais vraiment, vraiment bien, bien soldée. Il faut savoir que ce modèle. Alors, attends, attendez. Voilà! Il faut savoir que ce modèle, en fait, s'appelle Caroline, je crois. Voilà, c'est le modèle Caroline Crystal. En jaune moutarde. Taille 40, hein. Et ça taille bien. Ça taille bien, bien, bien. C'est, voilà. Alors, vous voyez la bête. D'ailleurs, vous devez l'avoir aperçu dans ma vidéo haul. Enfin, ma dernière vidéo haul que je vous ai postée et tout. J'essaierai de retrouver la vidéo en fait d'essayage et tout ça. Je vous le mettrai sur l'écran. Mais voilà la bête, les gars. Et voilà. Regardez. J'adore le bout pointu là. Oh, elles sont
hyper, hyper sexy, élégantes. Elles sont tout ce dont, en fait, tout ce que j'aime dans une paire de chaussures. Elles sont hyper féminines. Et puis, regardez, jaune sur une peau noire. Elles sont sublimes, les gars. Et les cristaux sont vraiment bien, bien, bien. Parce que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, les cristaux. Imaginez, ça vieillit mal. Enfin, j'avais un petit peu peur. Mais la qualité est vraiment là. Vraiment, les cristaux sont bien, bien, bien incrustés, en fait. Et le confort est juste dingue. Bah, regardez déjà le talon et tout, ce talon vert à martini là est juste sublime. Et surtout, il n'y a pas plus confortable. Il n'y a pas plus confortable que ce talon. Je crois qu'il doit faire peut-être 9 cm et tout, 8-9 cm. Et il n'y a pas plus confortable. Il n'y a pas plus confortable, les gars. Je vous jure, genre, je suis tellement, tellement contente. Elles sont vendues de base à 950 euros et moi, je les ai achetées sur Farfetch en solde à 354 euros. Et du coup, c'était le bonheur. C'était le bonheur. La qualité est vraiment, vraiment ouf. En tout cas, pour le moment, je ne les ai pas encore portées pour sortir, mais elles ont l'air vraiment sublimes. Tant au niveau de la qualité qu'au niveau du ben en fait là du rendu quoi, vous voyez, du rendu. Je suis tellement contente, les gars, je suis trop 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 contente. Je vous dis pas à quel point je suis contente. Taille 40, sublime, vraiment vraiment sublime. Et j'ai trop hâte de les porter. Je traînais sur Matches Fashion et du coup j'ai vu cette paire bien soldée. Enfin, bien soldée, parce qu'elle était soldée en fait à... Je sais plus en fait, je pense qu'elle était à 850 euros et après elle était soldée à 472 euros. Sauf que... quand j'étais sur le site, Matches Fashion faisait moins 20% supplémentaire en fait sur ses soldes. Mais cette paire n'était pas concernée en fait. Sauf que quand je l'ai placée dans mon panier, eh ben, automatiquement mes 20% se sont appliqués dessus. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais voilà, je n'ai jamais acheté une paire aussi rapidement, en fait. Donc, elle se toujours la même boîte. D'ailleurs, elle est arrivée aujourd'hui. Sauf que elle est arrivée parce que voilà, il faut que je sois claire avec vous. Elle est arrivée avec la boîte est un peu abîmée en fait. Donc, je sais pas si c'est le transporteur ou c'est le site Matches Fashion. Je sais pas. Mais voilà. À part ça, vous voyez là, elle est légèrement abîmée là. À part ça, les chaussures en fait sont safe. Le modèle, c'est le modèle. En fait, les chaussures sont du modèle Gilda Slipper. Donc, c'est une paire de sandales à talons. Bah non, ce sont des mules en fait. Ce sont des mules en vrai, mais. Alors, ouais, c'est par là. Ça arrive toujours avec cette petite housse rose, trop trop mignon. Et purée, c'est un boxing en fait, part dans tous les sens, les gars. Alors. Voilà la bête. La bête avec le même talon adorable, adorable, adorable. Que j'aime beaucoup, 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 les gars. Regardez. Et on retrouve là encore les cristaux incrustés. Et la paire se présente comme ceci, les gars.
Alors, le double. Look. Regardez. Sublime. Sublime. Les gars, je suis tellement contente. Regardez-moi cette paire. Pour vous dire, honnêtement, pour être honnête avec vous, enfin honnêtement, ça n'a pas de sens, mais pour être honnête avec vous, jamais j'aurais acheté cette paire au prix à 850. Pareil pour l'autre paire, elles sont sublimes, mais vraiment jamais je les aurais achetées au prix d'origine parce que c'est une belle marque, hein, mais souvent moi j'ai du mal avec les marques dont je ne suis pas sûre, vous voyez, en termes de longévité, en termes d'histoire et tout. Voilà, je suis pas à l'aise en fait de payer plein pot pour ces marques-là parce que ça c'est une marque d'influenceuse et tout ça, elle est assez récente et je vous ai dit, il y a pas mal d'avis mitigés sur les chaussures de cette marque et tout au niveau de la qualité et tout ça, donc je ne voulais absolument pas je ne voulais pas les acheter plein pot quoi. Je veux bien acheter une paire de Prada plein pot ou même une paire de Chanel, enfin il y a des marques, je sais très bien, compte tenu de leur histoire et tout, elles sont gages de qualité, elles sont vraiment, elles sont gages de qualité, de longévité et tout, enfin, de stabilité et tout ça. Mais Amina m'a dit, je ne suis pas sûre à 100% parce que c'est une marque très très récente. Genre, elle date de 2010, je crois, enfin, sauf erreur. Et je voulais vraiment les tester moi-même et m'assurer de leur longévité vraiment avant d'acheter plein pot, quoi. Et j'ai attendu et soldé au final à 354 euros, pareil, 354 ou 52, enfin, au final je les ai achetés à peu près au même prix, hein. Et je les ai commandés à un taille 40,5 parce qu'il n'y avait plus du 40 et je me suis dit why not, et en vrai je préfère les 40,5 aux 40. Parce que les 40 en fait ça correspond exactement à ma taille, vraiment. Mais les 40 et demi, disons qu'il y a un tout petit, un léger espace, ça se voit à peine, un léger espace là, ce qui fait que en fait, on dirait que c'est ma taille, quoi, exact. Là, pareil, pour les chaussures jaunes, c'est également ma taille, mais pile poil, quoi. Vous voyez, c'est vraiment pile poil ma taille, quoi. Mais là, il y a un petit espace là qui, en fait, qui les rend beaucoup plus, spécial. Voilà, vraiment plus spécial. Mais dans tous les cas, les gars, j'adore ces paires de chaussures. En fait, c'est le talon que je kiffe le plus et le confort. Vraiment, le confort est juste inégalé. Vraiment, je n'ai jamais acheté de paire de chaussures à talons aussi confortable. Vraiment. Et le talon fait 9,5 cm. Hyper confortable. Vraiment. Et la couleur, les gars, regardez cette couleur. Cet été, en fait, je suis investie par les couleurs au niveau de mes accessoires, au niveau même des robes, enfin des vêtements, mais les chaussures, oh, elles sont... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, cette partie-là, moi, j'ai les pieds fins. Mais si vous avez les pieds un petit peu plus dodus, on va dire ça comme ça, en fait, ça risque de coincer là, parce que moi, avec mes pieds qui sont vraiment, enfin, je vais pas vous les montrer, je vais vous montrer les images, mais avec mes pieds fins, je trouvais que c'était assez, un peu serré, un peu ajusté, vous voyez, un peu serré. Donc, après, là, c'est du cuir, donc peut-être que ça va se détendre, mais j'ai trouvé que c'était
c'était un peu serré au niveau de là, 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 là. Mais sinon, je suis très, 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 très contente de mes achats.